Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va simplement faire un petit quiz donc sur MLP sur aspro.com. Donc la dernière fois on avait fait un quiz sur Equestria, enfin à peu près quoi, et maintenant on va faire un quiz sur l'amitié c'est magique. Voilà, et donc du coup moi je vous dis tout de suite, c'est parti. Ce poney sera toujours honnête avec ses amis, même si ça devient difficile, même si elle l'obtient avec de la difficulté, enfin un truc comme ça, c'est... Enfin bon, commence pas, je comprends pas. Applejack croit vraiment que l'honnêteté est le meilleur caractère. Elle agit et elle parle tout le temps honnêtement, voilà. Donc, moi je vous dis à tout de suite pour la deuxième question. C'est parti. Ce poney préfère partager avec ses amis au lieu de garder les choses pour elle-même. Voilà, enfin en gros, voilà, c'est tout. Je peux rien rajouter. Rarity est incomparable en ce qui concerne la générosité. Donc, est incomparable dans toute Equestria. Elle partage ses talents et sa création de mode avec ses amis pour répandre le bonheur, quoi, pour répandre le bonheur, qu'est-ce que je te dis. Pour répandre le bonheur autour d'elle, voilà. Donc, moi je vous dis tout de suite pour la troisième question. C'est parti. Ce poney sait comment... Imagine, t'as une situation, tu sais, qui fait peur et tout. Et ben en gros, elle sait comment faire en sorte que cette situation devienne un bon moment. Voilà. Et donc ça, forcément, on va pas se le cacher, hein. C'est Pinkie Pie, bien entendu. Avec ses petits rires, machin, là, hop là, Pinkie Pie. Nickel, j'ai raison. Non mais je suis un bon, moi je suis comme ça moi, tu vois, ça c'est bon ça. Pinkie Pie ne laisse pas des situations effrayantes l'arrêter. Donc en gros, elle s'arrête pas quoi. Les situations effrayantes ne l'arrêtent pas dans son chemin quoi. Tu vois, dans sa continuité. Donc, tu vois, elle avance et tout, et puis c'est pas quelque chose qui lui fait peur, qui va l'arrêter quoi. En gros, un truc comme ça. Donc après elle apprend à ses amis donc à rire et puis les autres je sais pas vraiment, mais c'est aussi c'est quand ça y ressemble à des synonymes. C'est enfin dans des situations comme ça en gros de rire jusqu'à que leurs craintes disparaissent quoi. Enfin les problèmes quoi, tu sais par exemple je sais pas, t'as quelque chose qui te fait peur, du coup tu rigoles jusqu'à que ça te fasse plus peur. Voilà, en gros c'est ça. Bon, allez, moi je vous dis à tout de suite pour la quatrième question. C'est parti. Donc, ce poney aime gagner. J'ai eu du mal. Mais jamais au détriment de ses amis. Voilà. Bon, forcément. Hein, ça... Voilà, c'est Rainbow Dash. Là, il y a un petit peu moins de facilité. Oui et non. Parce que là, c'est écrit loyauté, hein, Rainbow Dash, loyauté. Donc Rainbow Dash est vraiment un poney de compétition, mais jamais à l'encontre de la loyauté pour ses amis. Ce poney est toujours agréable, on va dire, agréable avec... Nice est toujours agréable avec les autres, même si ces poneys sont... même si eux, ils sont parfois... agréable en retour, voilà, enfin bon, tout simplement. Fluttershy est toujours... j'ai eu un petit trou de mémoire, donc Kind, c'est gentil, voilà. Si, gentil, je savais. Bon voilà, Fluttershy est toujours gentil avec ses amis, ses animaux et les étrangers. Elle partage son élément de gentillesse avec aucun espoir de... Enfin, avec rien en retour, quoi, enfin, tu sais, elle espère pas avoir quelque chose en retour, voilà. En gros, c'est ça. Bon, et moi, je vous dis à tout de suite pour la sixième question. C'est parti. Ce poney a découvert la magie de l'amitié grâce à ses amis et à l'élément d'harmonie. Voilà. Enfin, aux éléments d'harmonie. Voilà. Enfin, voilà. Donc, donc du coup, c'est toi et Sparkle avec l'élément de magie. Voilà, donc c'est pas très compliqué, hein, l'élément de magie, voilà. Bon, j'ai envie de te lire. Bon, ça reste encore une fois, c'est donné la question, quoi. Toutes les questions sont à moitié données. Enfin, les réponses, en tout cas, sont à moitié données. C'est... Ouais, je sais pas, ils sont pas bien... Ils auraient pas dû mettre, là, en dessous, la magie, là. Générosité, tout ça, ils auraient pas dû mettre, là. C'est... Le rire, tout ça, ils auraient pas dû mettre, non. C'est... Franchement, ils auraient... Non, voilà. Bon, après, c'est déjà comme ça. Bon, alors, du coup... Voilà, nickel. Après réflexion qu'elle n'avait pas besoin d'amis, Twilight Sparkle découvre l'élément de magie quand ses amis...
l'ont rejoint dans son aventure. Enfin, dans l'aventure. Pas dans son, mais dans l'aventure. Voilà, donc du coup, bah voilà. Donc j'ai raison, voilà, comme d'hab, hein, j'ai raison. C'est pas très compliqué. Donc moi, je vous dis à tout de suite pour la 7ème question. C'est parti. Tous les poneys, c'est qu'ils peuvent faire confiance à ce poney, peu importe quoi, en gros. Voilà, peu importe ce que c'est, peu importe quelle est la raison de cette confiance, ils peuvent faire confiance. Enfin, quelle est la raison de je sais pas. Mais qu'est-ce... Vas-y, soule-moi pas. Donc, c'est très simple, c'est Applejack, voilà, avec son élément d'honnêteté. Hein. C'est pas très compliqué. Donc, hop, voilà, correct. Applejack fait d'elle une amie digne de confiance dans toute situation. Voilà. Donc, moi, je vous dis tout de suite pour la dernière et 8ème question. C'est parti. Ce poney partage volontiers ses tissus et ses talents avec ses amis. Pour les rendre heureux, pour les ouais, voilà, on va dire ça comme ça, pour les rendre heureux. Donc c'est Rarity, donc avec son élément de générosité, voilà. Donc encore une fois, ça reste un peu simple, pas très compliqué. Donc du coup, on va sélectionner la dernière réponse. Attention, j'ai raison. Non mais de toute façon, j'ai toujours été aussi bon. Non, faut pas test. C'est comme ça, j'ai toujours été si bon, moi. C'est pas très compliqué aussi. Hein. Donc, là, ça va être un petit peu compliqué de traduire. Donc, alors, Rarity... Enfin, la générosité de Rarity fait d'elle un bon ami. Ça, c'est déjà pas mal. Elle sait que donner du temps et de l'assistance est juste un bon partage de ses créations. Enfin, c'est en fait là où je comprends pas, c'est au niveau du partage du temps là, je sais pas quoi, enfin le fait de donner du temps, enfin je comprends pas là, enfin donner son temps, le fait de donner de son temps, c'est-à-dire elle donne de sa personne quoi, de son temps, ça doit être ça, voilà, en gros de donner de sa personne, donner de sa présence, et juste un bon partage de ses créations. Je comprends pas. Bon, bah, si vous avez compris, dites-le moi, mais moi je comprends pas. Tu vois, vous me dites en commentaire, vous dites le moi. Comme ça, moi je suis sûr que vous aurez compris. Ah, vous me dites le moi. Dites-le moi. Voilà. Bon. Petit jeu de mots pour finir bien. Ouais, non, je comprends pas trop la tournure de la phrase, mais en gros, elle donne de son temps et puis, bah, c'est un bon partage, quoi. Voilà, enfin, je comprends pas. Bon, en attendant, on a tout réussi, hein. C'était pas bien compliqué, on va pas se cacher, hein. Ce questionnaire était assez simple. Des fois, difficile à traduire, hein. C'est toujours comme ça, l'anglais, c'est de la merde. Voilà. À traduire, c'est vraiment la merde, hein. Bon, en attendant, moi, je vais aussi sur ce. Voilà, on s'est fait quand même notre petit quiz assez sympathique. À moitié endormi, mais c'est pas grave. Moi, j'ai passé du bon temps malgré tout. Ça fait plaisir, franchement. Et donc, du coup, moi, je vais vous laisser sur ce. Je vais vous dire à une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool.